batumi ba pneu liboso sur Zakom bazaki liboso ambassade des États-Unis tant ba bengani bango côté kuna na kana na bango na ba e batumbi siko liboso na boulevard liboso sur Zakom seigneur côté bango na kuna donc yombe fort donc image yango ba population ba yiba okende te ba esi ba police ba tika bango ba leka ba ki na ambassade des États-Unis. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous dire en qui ont initié cette manifestation d'abord? Nous, les compatriotes congolais. C'est une structure de la société civile? Nous, oui, étant que les compatriotes, étant que les Ouazalendo congolais, qui nous ont participé, nous sommes réunis comme un salon pour dire que non, gros c'est tout. On en a marre avec cette agression rwandaise. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes mobilisés pour se retrouver dans les différentes ambassades, entre autres l'ambassade des États-Unis d'Amérique, pour réclamer ce qui est comme notre droit. Notre droit est qu'on en a marre avec cette agression. Il y a plus de 30 ans passés que la RDC s'est agressée par les Rwandais. Il y a au moins plus de 10 millions de morts. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Et comme on en a marre avec cette agression, raison pour laquelle nous sommes venus demander à l'État-Unis d'Amérique d'emballer leurs bagages pour retourner dans leur pays États-Unis d'Amérique. Nous donnons rien que 48 heures. Nous donnons rien que 48 heures. Pas plus. À l'État d'Amérique. Les retourner, c'est jeu. Parce que si l'État d'Amérique n'arrive pas à nous donner une solution à l'immédiat, il est temps pour eux de retourner. Parce que jusqu'au point du contraire, il n'y a aucune acquisition pour le Rwanda qui est tenté d'agresser la RDC. Et pourquoi nous pouvons toujours continuer avec cette agression au moment où la RDC est indivisible. Leur souci, la communauté internationale, l'OTAN, à l'occurrence, France, États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Pologne, et les autres, tous ces pays-là, veulent que la RDC puisse être balkanisée. Mais il y aura plus la balkanisation de la RDC, parce que des vivants, des combattants, c'est qu'il n'y a pas eu la balkanisation. Et donc, 48 heures après expiration, quelles sont les activités ou manifestations prévues? C'est le moment que la population congolaise s'est mobilisée comme un seul homme pour dire que dès aujourd'hui, nous allons commencer la résistance. C'est ça. Nous allons commencer la activité de grande envergure pour être chaque jour dans la rue. Notre maison, c'est la rue. C'est là où nous allons commencer à passer même la nuit pour réclamer ce qui est notre droit. On n'a pas peur de la prison. Nous n'avons pas peur de la prison. Ils sont en train de mourir là-bas. Rien. À l'Est, c'est les Congolais. Le Congo de qui manque, le Congo de qui ne vit pas, le Congo de Laurent Désiré Kabila, le Congo de Lumumba, le Congo de Lumumba, le Congo de Tshombe, est indivisible. Personne ne viendra diviser la RDC. Nous n'accepterons jamais qu'on puisse retrouver même la même situation avec Soudan du Nord et Soudan du Sud. Non! D'accord. Nous merci. Merci beaucoup. Il n'y a plus une histoire de négociation. Ouais. On a refusé la négociation. On leur donne 48 heures. Donc tout au long est venu, on a qu'on a battu.